C'est une joie d'être ici avec tous ces gens-là et de partager surtout leur niveau de création qui est vraiment très important et très haut. Ce qui est très intéressant dans ce comité, c'est qu'il est divisé, il est partagé entre des spécialistes de la photographie et des amateurs, des passionnés de photographie. Et chacun, avec sa connaissance et ses goûts personnels, apporter un éclairage différent et une lecture différente. Et en tant que collaborateur HSBC, c'est quelque chose de très gratifiant de pouvoir donner son avis, de pouvoir découvrir ces jeunes talents et de les soutenir dans la construction de leur œuvre. Pour moi, c'était très important de parler avec tout le monde et avoir l'avis de tout le monde, avoir écouter les autres surtout, parce qu'en tant qu'écrivain, on écoute beaucoup, ça forme partie de mon travail, d'écouter les autres et de voir et découvrir. Et ça, évidemment, ça m'enrichit énormément. Il photographe les objets et après, il fait les objets avec les papiers photographes. C'est une communauté des vieux, mais avec un esprit très intéressant. Il a fait une espèce de reportage. He's in a tradition which he would not be controversial in supporting. No, definitely not. Et le prochain, il est aussi suisse. Il a fait un projet sur les météorites. Et elle fait ses recherches sur le sujet. Et elle suit les liens dans les histoires. Elle a fait aussi un projet sur sa famille. Dans un premier temps, on regarde les photos d'une manière un petit peu spontanée, un peu brute. Et c'est vrai que l'avis et l'explication du conseiller artistique nous éclaire énormément sur certaines choses qu'on ne voit pas sur la photo elle-même. Un système du 19e siècle qui fait le même système, c'est incroyable. On se parle sincèrement et on dit les choses comme elles sont. Et je pense que c'est la meilleure façon d'être clair et d'être transparent et d'être surtout avec... sincère avec notre sensibilité. C'est magnifique, c'est intelligent, il y a une espèce de décalage. Puis il y a des moments vraiment uniques et poétiques. J'ai eu la chance de connaître tous les grands noms de ces prix qui ont donné beaucoup de choses et beaucoup d'œuvres d'art à ces prix-là. Et ce sont les noms de l'avenir. Pour ce qui se passe aujourd'hui dans la photographie, je suis très optimiste, très enthousiaste. À mon avis, les derniers 10 sont également intéressants. Très malin, parce que maintenant, il va nous guider vers son choix avec l'apparence de l'objectivité. Oui.